L'INAP se focalise sur un sujet, l'étude et la pratique des politiques publiques et de l'administration publique. Université francophone, donc une tradition philosophique francophone importante, française notamment, mais qui est aussi bercée dans un professionnalisme nord-américain. J'ai constaté que l'enseignement ici est basé sur l'approche américaine, qui est une approche plus pratique. Vraiment cette façon d'enseigner qui était très différente, cette façon de partager la connaissance, cette approche andragogique très forte qui faisait que c'était facile de nous approprier les savoirs qui étaient partagés. C'est une école qui est professionnelle, mais aussi scientifique. Alors, elle se démarque à plusieurs niveaux. À l'INAP, on a une expertise de pointe sur les enjeux numériques, développement durable, diversité, finances publiques, gouvernance de proximité et plein d'autres choses. Vous avez des professeurs de management ou de gestion publique. Vous avez d'autres professeurs qui sont spécialisés en politique publique. Vous avez aussi des professeurs qui sont spécialisés en ressources humaines. Vous avez des gens qui sont spécialisés en évaluation de programmes. On donne la possibilité aux étudiants de faire valoir leurs compétences, de faire valoir leurs connaissances et surtout de se servir de leur expérience. Il y avait cette diversité de culture, cette diversité d'idées et ce partage, cet échange, toujours dans le respect, dans l'ouverture d'idées. Les professeurs sont à notre disposition et ils sont très réactifs à nos préoccupations et inquiétudes. Toujours présents à donner des solutions, à trouver des solutions communes, juste dans l'intérêt et dans la perspective de faire réussir les étudiants. Les ressources existent et elles sont mobilisables. On est à l'aide de la gestion par résultat. Pour y faire face, il faut quand même des compétences spécifiques. Et je pense que ces compétences-là sont ici, à l'ENAP. Le diplôme de l'ENAP est très apprécié dans les organisations publiques. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de rigueur dans la façon de faire l'évaluation. Ça m'a apporté une grande méthodologie dans la façon de penser mon travail, comment est-ce que je le fais, comment est-ce que je le réalise. Avoir une maîtrise, ça va augmenter et ma valeur ajoutée sur le marché du travail. C'est vraiment un très grand levier pour la carrière, surtout dans le domaine de l'administration publique ou dans les organismes. Je suis très ravie de mon passage ici à l'ENA puisque j'ai eu vraiment de la matière pour gérer autrement.